Bonjour à toutes et à tous, c'est Skunky. Et Minou. Et ouverture aujourd'hui de EV02, évolution à Paldea. Pourtant, c'est une série dont je disais qu'on n'allait pas en ouvrir beaucoup. Mais, il y avait une promo dans un magasin de jouets de acheter un offert. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Alors la surprise, je pensais que c'était sous blister, mais en fait pas du tout. Ils prennent dans des displays, pardon, et puis ils prennent dedans directement. Alors c'est pas stupide de leur part, hein, parce que la display, quoi, si vous comptez les 6 euros de booster, il y en a 36 dedans, c'est comme si vous en payiez 24. 5 fois 20, allez, 6 fois 24, 120, ça fait 144 euros, ça fait 144 euros la display. Finalement, c'est le prix, quoi. On les trouve à 160 euros plutôt, mais ils sont pas loin. Donc ça a bien fonctionné. En tout cas, j'ai discuté avec la vendeuse, elle m'a dit que ça avait cartonné. Et puis, du coup, on en a eu 6. Alors, on verra si on a de la chance ou pas, hein, puisque, a priori, dans les displays, il y a environ 12 ultras. Donc, une toutes les 3 boosters. Tous les 3 boosters. Donc, on est censé avoir 2 ultras. On verra. Voilà, si on a de la chance ou pas. Alors, tu veux lesquels? Alors, par contre, il y a beaucoup, il y a 5 fois le même là. C'est qui lui? Jinglo. Voilà, 5 fois le même. Bon. Je vais prendre un petit Miascarade. Et il y en a 3 de Jinglo. Qui commence? 3. C'est moi? La dernière fois, j'avais commencé. Hop. Bon, voilà, vous avez vu chez qui c'est. Hein. Je pense pas que la promo soit encore d'actualité. Alors, on démarre alors, avec un petit bac à bout, Tissamboule, Charbonbin, Cornèbre, Colossinge. Alors, il y a EV03 qui est sorti, hein, qui sort normalement la semaine prochaine, mais bon, il y en a déjà beaucoup qui ont réussi à la trouver. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, on aura du EV03. En tout cas, j'espère. On verra. Groucha, Magirève, Rocabo, Watapic. Donc on n'aura rien là. Ah si. Ah bah si, on aura un Loup-Garoc X. D'accord. Avec les paillettes étoilées là. Loup-Garoc. Bon, j'avoue qu'on ne connaît pas trop ce qu'il y a dans cette série, donc on découvre au fur et à mesure, c'est cool. Il est en mode vénère, hein, avec des yeux comme ça, là, violet, là, rouge. Non, c'est une autre forme, il y a deux loups-garoc. Oh, bah, il est vénère quand même. Hein. Il y a loup-garoc de lune, ouais. Il est toujours comme ça. Rondoudou, Girafaring, Super Bowl, Tropius, Drone et Livreur, Farigirafe, Philanthrope, Tropius en river, c'est terre aride de désastre en river, c'est rien. Un petit Mimiti. Mimiti. Ouais. Et troisième booster. Alors, je sais que dans cette série, il y a le petit Magikarp, j'ai déjà dit la fois dernière, qui est vraiment très sympathique. Bon, après, il y en a certainement d'autres. Hein. C'est vrai que le Magikarp, il est vraiment joli. Chouchoudil, Virovent, Charibari, bah dans celle-ci, EV02, Cradopo, Tac-Tag, Balbalaise, Albert. Alors, passe rouge. Bah non, on n'aura rien. Ah, Léviator, quand même. Hein. Elle est vraiment jolie, cette illustration. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Et... Ah bah voilà. Ouh, je ne savais pas qu'on avait ça là. Derrière. Palmaval. Qui est vraiment pas mal. Ouais, un joli relief. Très franchement, bon, là. L'arrière, là, le background, là. Qui part comme ça, là. Comme un feu d'artifice. Franchement, elle est jolie, cette carte. Du coup, t'as eu les deux ultras. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on a deux ultras, du coup. Bon, bah, on a rempli le quota. Donc, j'avais un peu peur, effectivement, avec ces boosters sortis de display, là. Je me suis dit, est-ce que ça se pèse? Est-ce que ça se pèse pas? Est-ce que... Je ne savais pas du tout. D'ailleurs, je ne sais même pas si cette série est pesable. Je ne sais rien.
Mais bon, bah du coup, on en a deux. Il reste encore 3 boosters. T'en as deux, toi, encore. Oui. Et bon, on peut espérer avoir la carte la plus rare de la display, hein, c'est jamais. Girafa Ring, Super Bowl, les boulets roux, en forme, ah non, pas en forme shiny, Coiffeton, De ce lourdo, Quatermac, Corvallus, Cotovol en reverse et Zapetrel en reverse et rien. Ouais. Voilà. Allez, l'avant-dernier booster. Et puis, on vous réserve, alors c'est pas une surprise, hein, on va pas dire ça, mais j'ai commandé un petit coffret là. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, j'espère cette semaine. Mais vous allez voir, c'est du lourd. Zapetrel. Moi, je sais pas ce que c'est. Non, c'est la surprise. Chochodil, Virovent, Charibari, Elige. Très passable. Alors, Raichu, Corbos. Alors, allez. On sort du lourd ou pas? Non. Non. Corbos, c'est Trioxide. Trioxide et non. Beraska. Donc oui, un coffret. Je sais même pas si sortira en France d'ailleurs. Je sais pas du tout. Mais je l'attends avec impatience. Ah, vu qu'il est pas français là. Non, quoi, si il est français, il est en français, mais je sais pas s'il sortira en France. Ah. Hop. Allez, dernier booster. Farfuret. Sans doute du lourd. Scrutella, Marie, Goélise, Crocodile, Crocogrille, Tac Tag, Balbalaise, Diama. Voilà. Ah oui, c'est lutin. Et non. Et bon, bah, tant pis. Encore une fois. Bon, on n'est pas déçu, hein. On est dans le quota. Une sur trois. Et puis, la Ligue des Rocks. La Ligue des Rocks du classique, mais la Palme Naval, elle est vraiment sympa. Oui. Très, très sympa. Bah, écoutez, on va se quitter là-dessus. Hein. J'espère recevoir le fameux coffret pour la prochaine vidéo. Parce que là, sinon, je ne sais pas ce qu'on va ouvrir, puisque nous n'avons plus rien. Voilà. Nous n'avons plus rien, donc bah, sinon on ira chercher quelques petits trucs, mais voilà, j'ai tout bougé. Mais bah, écoutez, hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Veuillez ne vous empêchez pas de liker, voilà, vraiment, oui. Ça nous fait extrêmement plaisir. De vous abonner. De commenter si besoin, de vous abonner évidemment. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.